I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! Got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien, mon nom est Jonathan Drapeau, c'est l'émission 9 de la lutte professionnelle du WrestleRock Podcast, je suis en co-animation avec mon éminent collègue Benoît Laferrière. Comment ça va mon Ben? Ça va bien, bien content de te retrouver, je suis content de partager nos nouvelles, partager nos connaissances aux fans qui nous écoutent, bien et puis à soir le pay-per-view AEW All Out. Voir nos pronostics là-dedans, nos prédictions. Oui, on est le 5 septembre. 5 septembre, ouais, c'est ça. Une date qui restera marquée à jamais dans l'histoire, probablement, de la lutte AEW. Donc, enchaînons tout de suite avec les nouvelles et nous reviendrons par la suite sur nos pronostics de l'aventure All Out. Eh bien, nous allons commencer par des nouvelles de la compagnie de Stamford, la WWE. Vous allez le deviner. Vous l'avez deviné? Figurez-vous qu'après une longue absence due à la pandémie de la COVID-19, la WWE sera bientôt de retour en Arabie Saoudite, soit le 21 octobre prochain. Il y aura le gala, le pay-per-view Crown Jewel. Puis la dernière fois qu'un show a eu lieu en sol saoudien, ça remonte déjà à février 2020. Il y a eu à date 5 pay-per-views de la WWE qui ont eu lieu jusqu'à présent en Arabie Saoudite, dans le cadre d'une entente de 10 ans avec les autorités sportives de ce pays. Ensuite, dans le fond, est-ce que tu viens de nous dire qu'il y allait avoir des nouveaux pay-per-views? Est-ce que tu avais entendu parler que le King of the Ring reviendrait prochainement sur nos écrans? Oui, mais ce serait pas le King, ce serait le Queen. Le Queen of the Ring, prochainement sur nos écrans, près de chez nous. On peut tout s'entendre pour dire que ça va être... Charlotte Flair qui va gagner ça. Parce qu'ils veulent pas qu'elle parte à la concurrence. Je pense pas, là. Non. Il y a aussi des nouvelles concernant Triple H. Triple H, en ce moment, sur les médias sociaux, s'est fait un petit peu balancer un paquet de choses suite à ses performances sur son projet de direction et de stratégie en lien à la NXT. Suite à tout ça, il semblerait que Vince McMahon aurait repris les cordeaux, toute la coordination de cet événement majeur, hebdomadaire, et puis ferait affaire avec Tony Khan et M. Bruce Pritchard pour faire l'événement hebdomadaire, comme je le disais. Donc, c'est Tony Khan, canne de poids, canne de conserve. Canne de bin, sirop d'érable. Et voilà. Mais Bruce Pritchard, vous savez tout que c'était Brother Love à l'époque? Yes, le premier manager de... Undertaker, mesdames et messieurs. À Survivor Series. 90, mesdames et messieurs. C'est qui l'a annoncé? T'as dit bien si! Mesdames et messieurs. Oh. Bref, on fait bien des blagues avec ça, mais est-ce que t'as vu le nouveau logo de la NXT? Oui, puis ça, il est ordinaire, je l'aime pas, sérieux. Non, ça vaut pas de la merde. Moi, j'aimais bien mieux le logo jaune doré. C'est sûr. Tu sais, on en a parlé souvent récemment ensemble. Puis, tu sais, il y a des rumeurs, en fait, concernant une éventuelle vente de la WWE et un achat de l'entreprise Disney. Peut-être que c'est une stratégie derrière ça d'avoir un peu... enfanté le logo de la NXT. Je trouve que ça fait Sesame Street. C'est vraiment bizarre là, ce qui se passe en ce moment. Vince McMahon aussi semble, durant certains témoignages et certaines nouvelles comme Wrestling Inc. puis d'autres gros là, dans l'industrie de la lutte, des nouvelles de lutte, semblait dire que Vince McMahon ne voulait plus engager de lutteurs indépendants. Ouais, j'ai lu ça quelque part. WWE, ouais. Il voudrait vraiment consolider et créer ses propres personnages avec des hommes qui sont beaucoup plus gros,
comme à l'époque de Golden Era avec notre ami le dieu de la guerre. Ouais, des shapes comme Hercule, des shapes comme Morocco, des shapes comme Snuka. C'est ça. Mais là, peut-être une hypothèse. Mettons qu'il... Ça pourrait-tu être, mettons, 50% Vince McMahon, 50% Disney pour essayer de planter la concurrence de Jacksonville? C'est peut-être... Une hypothèse, ouais, je dis bien. C'est une très bonne hypothèse, par exemple, que tu nous dis là, Ben. Peut-être, pourquoi pas? Ce n'est qu'une hypothèse. Ce n'est qu'une chanson. Ouais, exactement. Yes. Et donc, on est rendu le nom du pay-per-view du jour de l'an 2022. Il semblerait en fait que la WWE, pour la première fois, aurait un événement, la journée du jour de l'an. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que je me souviens, dans le temps, Kiss l'avait fait aussi. Puis c'était un événement qui était en Inde. Et puis, c'était... C'était au jour de l'an ou c'était le 31 décembre? Je pense que c'était le 31. Bon, en tout cas, un ou l'autre. Mais bref, je crois que c'est une bonne chose. T'sais, pendant les fêtes, des fois, les gens se réunissent en famille et puis ça donne des choses merveilleuses. Alors, nous avons appris de sources sûres que ça s'appellera WWE Day One Atlanta. Est-ce que tu as entendu parler de quelque chose à propos de Rikishi et de sa nièce? Ouais, ça a l'air que sa nièce, elle aurait été retrouvée sans vie à cause d'un meurtrier. Oui, puis Rikishi offrirait une récompense de 50 000 $ à quiconque pourrait fournir des informations servant à faire arrêter le meurtrier de sa nièce, Jada Tofahehono. Excusez-moi, c'est des noms. J'ai mal à la bouche en le disant. Qui a été assassiné le 30 juillet dernier. On ne pouvait pas faire cette émission WrestleRock Podcast sans parler des événements de SummerSlam qui ont eu lieu il y a à peu près deux semaines. T'en as pensé quoi, toi, en général de SummerSlam? Oh, je l'ai trouvé bien moyen, sérieux. Je m'attendais si vraiment à... Si tu aurais une note sur 10 à mettre, toi, tu mettrais combien, note générale? Ben, mettons 6, là. 6, t'es généreux, hein? Je voyais sur les internets, il y avait beaucoup de gens, là, c'était du 5, 4, 6. Fait que, tu sais... Honnêtement, c'est pas le meilleur SummerSlam qu'ils ont fait de tous les temps. Là. Avec la compétition de Jacksonville, ils vont devoir manger des croûtes et relever leurs manches. Puisque je sais pas si tu as remarqué, le budget est rendu, on dirait, limité à la WWE. On a remarqué beaucoup moins d'effets spéciaux, beaucoup moins de setup, d'écran géant. Ben pas d'écran géant, mais tu sais. De visuel. Les pétards et tout n'avaient pas d'étonne. Il n'y avait pas d'entrée. C'était très, très limité au niveau, divertissement. Je me demande si ce qui se passe avec la WWE en ce moment. L'entrée, ça faisait un peu un vieux In Your House de 1996, là, quasiment. Là. C'était triste. Honnêtement, j'ai trouvé ça bien ordinaire. Voire même le vieux, l'espèce de mur de briques de l'ACW. Là, l'entrée, c'était bon l'ACW, mais l'entrée était limitée à bâtiment. Oh, ouais, je sais, mais tu sais, ça faisait pauvre, ça faisait cheap. Tu sais, une belle entrée qui ouvre là, comme une porte d'ascenseur, comme le nouveau logo de la WCW dans le temps, ça aurait été pas cool. Ça aurait été cool, mais avec une couple de pétards, rien. Un stage même pas surélevé, directement au sol, à la hauteur de la patinoire de... Ben, pas la patinoire, mais on était bien évidemment au United Center de Las Vegas. Non, c'est pas le United Center. Le United Center, ça c'était à Chicago, l'arena des Blackhawks. Ah, OK, oui, c'est moi. C'est le stade des Raiders. Le stade des Raiders de Las Vegas, que je me souviens pas le nom par cœur. Ah, ouais. OK. Mais 53 000 personnes, je pense qu'ils ont dit. 54 000, c'est ça. 54 000 qu'il y a eu comme événement, mais honnêtement, ça faisait pitié, là, tu sais. On pourrait passer rapidement les combats, mais tu sais... une dernière chose, là, moi, j'avais l'impression qu'ils ont tous dépensé d'un pétard à WrestleMania, qu'il restait plus rien pour SummerSlam. Ou ils ont tous dépensé pour le salaire à Brock Lesnar, puis il reste plus rien. Ah, peut-être, puis Goldberg et tout, des gars qui sont payés 3 millions pour faire un match. Qu'est-ce que t'en as pensé du fait que Sasha Banks n'était plus... Elle a pas fait son combat? Je sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire peut-être des rumeurs de COVID-19. Je sais pas si ça a été confirmé, mais j'ai entendu des rumeurs par rapport à ça. Il semblerait aussi qu'ils l'ont su comme 24 heures avant. Ah, ça, je savais pas. De l'annoncer. Ça aurait été bien qu'ils l'annoncent, tu sais. Mais ce que je crois, c'est que c'est peut-être juste un genre de fake news. Et puis, il n'y avait pas le choix de ramener rapidement Becky Lynch. Ah, que c'était... Qui a eu un bon pop. Pour bien promouvoir Becky Lynch. T'as pensé à de quoi du pop quand t'es arrivé? C'était-tu... Oh, c'était cool. Juste que le match, elle a fait un rock bottom, un 2-3, tu sais, je sais pas. Lutte un peu, ma fille, là.
C'est chiant aussi pour un athlète comme Bianca Belair qui a prouvé et monté les Qui se crève le cul depuis 2-3 ans, ça facile. Ouais, c'est là. Ça. Puis, tu sais, elle méritait son push. Puis, du jour au lendemain, bang, c'est comme genre... en 10 secondes, tu te fais battre. Je trouve ça un petit peu ordinaire. J'ai écouté plusieurs autres podcasts que je n'aimerais pas pour l'instant. Mais aussi ont un petit peu la même opinion que nous suite à ça. Et puis, je pourrais même partager un petit peu l'opinion de certains qui ont même mentionné que... Pas des propos racistes, c'est pas ce que je veux dire, mais non. Le fait que une athlète serait d'origine différente d'un Américain, facilement, il serait dépouchable. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, tu sais. Ouais, mais Becky est irlandaise, elle est pas américaine. Non, mais... De race blanche, ou tu veux ouais, dire? Ouais, de race blanche, t'es caucasienne. C'est ça que je veux dire, j'ai compris. Tu sais, parce que, honnêtement, il y en a plusieurs, là, tu sais, des Afro-Américains qui ont dépouché bien vite. Tu sais, des Kofi Kingston qui ont fait jobber pendant, je sais pas comment... Shelton Benjamin. Il a battu 3 fois Triple H en 2004. C'est vrai, t'as raison. Y en a-tu d'autres, vite de même, que tu penses, là? Coco Beware. Coco Beware, non, mais Coco Beware, c'est... Ouais. Junkyard Dog, il jobbait. Ben, ouais. Il faisait part de WrestleMania, en tout cas, Junkyard Dog. Non, c'est sûr. Je trouve ça bien triste. Tu sais, y en aurait d'autres, mais... Ben, Apollo Crews. Ils ont donné une belt. Ah, depuis ce temps-là, il fait plus rien. Il est encore champion? Non, champion intercontinental, c'est Nakamura. C'est vrai, c'est Nakamura. D'ailleurs, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de voir Nakamura venir danser et après ça, il crie son camp? Ouais, je sais pas, j'aurais pu faire un rematch, quelque chose. Ben, là, il a dansé. Il a eu l'air plus, excusez-moi l'expression, il a eu l'air plus d'un esti de mongol que d'un lutteur. Là. Il a eu l'air d'un esti de clown. Désolé. C'est plate parce que, tu sais, c'est une grande légende de la lutte, Nakamura, puis je trouve qu'ils font rien avec. Depuis un bout, là, oui, il est champion intercontinental. Peut-être qu'ils se sont dit, on va te donner à ce temps pour que tu fermes ta gueule. Peut-être aussi. Non, il se rendre compte qu'il faisait plus rien. Puis... Ah, c'est sûr. Bref. Bon, donc, enchaînons avec les résultats. On va arrêter de tourner autour du pot et on va enchaîner avec les résultats. Bon, dans le pré-show, c'était Biggie a battu Baron Corbin par pinfall pour récupérer sa mallette qui s'était faite voler. Comment t'as trouvé le nouveau personnage de Baron Corbin qui a gagné des millions? Ouais, ça, c'était un petit peu plus tard. C'est arrivé la semaine d'après ce matin. Ah, oui. Ouais, c'est quand même... C'est pas si mal, hein? Ouais, il se la pète, là, il y a de l'argent, puis... Et puis, Biggie, est-ce que tu penses que ça pourrait être un prochain grand champion à la WWE? Ben, j'y souhaite bien. Ça fait des années qu'il pourrait mettre un push en solo, puis... Ouais, puis il semblerait que Vince McMahon l'aime beaucoup, là. Il aimait bien New Day, ça, c'est celui-là. Ça, donc peut-être que... Peut-être que ce qu'on vient de dire juste avant, on se trompe. Alors, laissons la chance au coureur à Biggie, puis on verra ce qui va se passer dans le futur pour Biggie. Alors, nous allons enchaîner avec les résultats du premier combat du gala officiel, bien entendu. C'était RK-Bro, qui ont vaincu AJ Styles et Omos par pinfall pour gagner le champion WWE Raw Tag Team Championship. C'est ça. T'as trouvé ça, c'était quand même bien. C'était un bon combat. Ça bougeait bien. Bon 7 sur 10 quand même. Puis j'étais content que Randy Orton et Riddle, tu sais, qu'un vétéran et un rookie fassent un. Ils se complètent bien. Oui, c'est quand même bien. Puis je sais pas, c'est peut-être moi qui me trompe, mais j'ai vu sur Internet que suite à ça, Randy Orton, il y aurait comme. Battu un record, mais je me souviens pas, c'est un record de quoi. C'est pas un record du nombre de pay-per-view. Ah, c'est ça, ça m'en revient, man. T'avais bien raison, c'est le record du nombre de SummerSlam. Ouais, c'est ça, il aurait battu comme Undertaker, tu sais, dans le fond, dans un record de SummerSlam, je pense, ou quelque chose. Ouais, ils ont une couple à l'usactif, là. Ouais, exactement. Le nombre exact, ça, au pire, on leur dira un moment donné, le nombre. Là. Undertaker, dans le fond, ça s'arrêtait comme 16 matchs à SummerSlam. Puis, tu sais, suivi de genre Edge, Mankind, Steve Austin. Mais, lui, il en aurait eu plus, là, genre 17, là, genre. Okay. Mais bref, c'est ça. Donc, ensuite, continuons avec le prochain combat qui était Alexa Bliss contre Eva Mary, qui était un match, pour le moins, très, très, très... médiocre et ordinaire. J'ai mis 4 sur 10 et j'ai été généreux. Ouais, c'est ça. Tu veux savoir ce que j'ai noté? Ouais. Tu veux bien m'entendre? Ouais. Écoutez bien ça. Eva Marie déçoit beaucoup. Ouais, puis il semblerait que c'est Vince McMahon ce qui voulait, qui aurait engagé Eva Marie. Alors, il aurait appelé Eva Marie. Il dit, je veux te revoir sur le roster.
Je crois pas qu'elle livre la marchandise bien belle. Elle est bien belle, là, elle est bien cute, mais... Très ordinaire. Mais tu sais, côté lutte, là, m'excuse. Elle écoute à manger. Exactement. Et le troisième combat... Un match par équipe? Non, le troisième combat, non, c'est Damien Priest contre Sheamus pour le US title. Mais moi, je m'attendais à mieux. C'était pas méchant, mais je m'attendais à mieux. Ouais, c'était quand même un bon combat. Mais Damien Priest, moi, j'achète pas le personnage. Là. Je l'ai aimé mieux à WrestleMania qu'il était avec Bad Bunny. Ça, c'était bon. Ouais. Sheamus, ben, c'est un vétéran. Toi, c'est ça, il est tout le temps la marchandise malgré tout. Là. Ses combats sont toujours bons. Oh, ouais, Sheamus. C'est un bon mid-carder. Ben, il a déjà été champion du monde. Là. Ouais, mais on peut-tu s'entendre, tu sais? Ouais, c'est sûr. Il ouvrira jamais une carte puis elle fermera jamais là, pour les. Oh, ouais, c'est un gars de 3-4e match. Prochaines années. Ouais, c'est ça. Et ça s'est suivi, dans le fond, du combat par équipe qui mettait aux pauses les champions par équipe de SmackDown. C'est ça, SmackDown? Ouais, les champions par équipe de SmackDown. Jey Uso's et Jimmy Uso's, les frères Uso's, accompagnés de Paul Heyman, qui ont défait. Paul Heyman était là, mais ça me semble pas marqué. Il était pas là. C'est pas marqué comme. Non, mais c'est pas grave, au pire. Ben peut-être, je sais plus. C'est pas grave. Ils ont défait, dans le fond, la famille Mysterio qui est composée de Ré et de Dominique. Très bonne chimie, beau spot, mais je trouve que le match à Money in the Bank était meilleur. Ouais, t'as raison, c'était vraiment meilleur. Ouais, ça ne coche au-dessus. Ah, ouais, vraiment. Ensuite de ça, ça s'est continué avec. On en a parlé un petit peu tantôt. Le fameux match féminin qui était à la base Bianca Belair face à la championne Bianca Belair face à Sasha Banks. Et puis, finalement, Sasha Banks ne s'est pas présentée au ring. C'est Carmella qui est arrivée. C'est Carmella qui a pris le lead. Et puis, finalement, elle a fait sa petite guidoune, parlé au micro, mais la plus belle femme du monde. Nanana, et voilà. On s'attendait à avoir un combat un contre un. De Carmella et de Bianca Belair. Et la chanson de Becky Lynch s'est fait entendre. Donc, il y a eu quand même un bon pop. Ouais, très beau retour. Je dirais pas que c'est nécessairement le pop de CM Punk. Oh non, loin de là. Mais c'était quand même bien. C'était excellent. C'était quand même bien. Le meilleur pop féminin. Ouais, exactement. On peut dire ça de même. C'est ça. Mais là, tiens, on s'entend qu'un match de 30 secondes. On peut pas vraiment noter ça. Je ne pas vraiment évaluer. Je l'ai pas évalué non plus. Mais honnêtement, c'est le genre de truc. Moi, j'ai trouvé ça égoïste un peu. Là. T'sais, j'ai trouvé ça un peu poche. On en avait parlé ensemble. T'arrives, tu ramasses la belle. T'en viens d'en parler. Là. Pas besoin de t'éterniser. Là. Mais ça fait comme Brock à SmackDown quand il est arrivé, il a fait un F5 à Kofi Kingston, 1-2-3, un peu. C'est ça. C'est un peu le même principe. Ensuite, Drew McIntyre a défait Jinder Mahal by pinfall. Ouais, puis Veer et Shanky, eux autres, étaient bannis du ring. En parlant de Veer et Shanky, là, ouais. Moi, là, j'aimerais ça voir. Il y a deux Cruiserweights dans la WWE. Ouais, vas-y. C'est des Arabes un peu. Ah, ben oui. Je me souviens pas de leur nom. Et Colin, ça m'échappe. Ben, c'est pas le frère Devery, parce que le frère Devery était congédié, je pense. Mais il y en a deux, là, sont ensemble là, de ce temps-ci. Ouais, ça me dit quoi, là? Il y a eu un segment avec Jinder Mahal et ses deux acolytes avec. Les Lightweight, Mansour et Mustafa Ali. Ah, ok, ouais, ouais. J'aurais aimé ça. Les replace. J'aimerais ça, moi c'est un fantasme, je pense, là. Qu'il y ait une stable de tout ce fantasme. Tout ce monde-là, ensemble, dans une stable arabe, là. Tu sais, un peu, là, comme dans le temps de Iron Sheik, puis qu'il y avait d'autres gars avec lui, puis qu'il avait ramassé Surgeon Slaughter. Tu sais, c'était. Ouais, dans le temps de la guerre du golf. Moi, j'adorais ça. Je trouvais ça, là, complètement savoureux. La fille du Sergent Slaughter avec Hogan avait sa manière 7, là, genre. Oui. Là. Le général Adnan, puis le colonel Mustafa. C'est ça, exact. Mais qui sait, on le sait jamais. C'est ça. Pas qui sait. Pakistan. N'importe quoi. Ouais, je sais. Mais peut-être ça va se faire, vu que le 11 septembre arrive, là. Peut-être. Yes, donc continuons. Par la suite, il y a eu l'excellent combat de Charlotte Flair contre Nikki. Nikki H et Rhea Ripley. Rhea Ripley, c'était un... Pour la ceinture féminine de Raw WWE. Tu trouvais ça comment, le combat? C'était excellent, hein? Charlotte, toujours la meilleure. Je pensais qu'elle allait être punie, mais elle n'a pas été punie à cause de son séjour à la AAA. Là. Yes. En parlant de... Ils sont pas trop impartiales. Ben non, c'est sûr qu'ils sont pas impartiales, tu sais.
Sachant bien que vous avez fait un affaire de main. Parenthèse concernant la Triple E, il semblerait que Charlotte a pu s'absenter d'un événement, je crois que c'est Raw. C'était un show, je pense. Elle avait demandé de s'absenter. Pour aller rejoindre son amoureux Andrade à la Triple E pour le combat face à Omega, qui était un excellent combat. Et qui manageait. C'est qui manageait Andrade? Woo! Son papa? Son papa Ric Flair! Ah, c'est good. Papa Ric Flair! Double Hall of Famer, puis 16 fois champion du monde. C'est ça. Exactement. 16 fois papa. Non, ah, ben peut-être, ouais, il y a eu un paquet de femmes, là. Sûrement. Non, on fait bien des jokes. Ric Flair, c'est une grosse légende, puis il a bien du mérite. Là. Bien sûr. Il paraît qu'il s'est mêlé du combat, le beau Ric. Ouais, le Ric a fait 16 chops. 16 chops? Non. Il a fait plein de chops, puis il a fait son Figure 4 Leg Lock. Ah, mais c'est cool. Yes. Revenons au combat de Charlotte. Excellent. Moonsault à l'extérieur, suivi d'un car screw que je me souviens. C'est un beau petit highlight qu'il y a eu durant le combat. Et puis, c'était le match de la soirée, je pense. Oh, ben, ça, puis le match suivant, m'a t'avoué. Yes, Edge contre Seth Rollins. Comment t'as trouvé ça, toi? Ah, l'entrée qui faisait Brood, là. Ouais, c'était vraiment cool. Un clin d'œil à Gangrel puis à Christian à l'époque. Je vais ouvrir une petite parenthèse. une petite parenthèse suite à Gangrel. Gangrel, dans le fond, là, il semblerait que la AEW était supposée d'engager Gangrel. Ben, c'est pas déjà fait. Ouais, mais ça se fera pas finalement à cause de l'affaire de The Brood. Ouais, ça a l'air que ça l'a comme coupé le. Ben, il a juste, ça s'appelait Vampire Warrior comme dans les shows indie, ça s'appelait de même, ça. Je sais pas trop, mais bref, ça reviendra pas. Parce qu'il voulait ramener. Brood? Ouais, là. Brood peut-être. Là, ça appartient à WWE, il me semble. Je sais pas. Ouais. Bon, c'est pas compliqué. Mais en gros, là, c'était match-là, c'était Edge, là, c'est comme on l'a déjà connu. Puis... Ah ouais, hein, on dirait qu'il a pas vieilli. Ah, Edge, c'est toujours bon ce qu'il fait. Du e-look, puis il y a toujours des belles entrées. Puis... Seth Rollins et tout, c'est très bon. Là. Le combat suivant était le champion, le Mighty Champ, Bobby Lashley, accompagné de MVP, contre Goldberg. T'as trouvé comment? T'as trouvé que ce combat-là, comment, toi? Pour le WWE Championship? Mm-hmm. Ah, ben, ce que je te dise la vérité de ce que j'ai marqué? Oui. J'ai marqué Lashley a fait son possible, puis j'ai marqué Goldberg ne l'a plus du tout. Comment t'as trouvé ça, toi, quand il a pris Lashley du troisième corde, puis il a fait un... Quasiment crissé sa tête. Ouais, ça, c'est... C'est assez ordinaire, là. Ah, il a failli tuer deux gars, ça veut dire, là. Puis, tu sais, ça a circulé beaucoup, là, que, tu sais, ah, oh, Goldberg, nanana, il est pas super que ça. Je suis désolé, Goldberg, là, va te coucher, là, c'est le temps, là. T'as blessé à coup, t'as blessé Bret Hart, t'as blessé... Undertaker. Puis là, t'es rendu à... T'attends-tu, genre... Ça va-tu prendre une mort, genre, pour qu'il arrête de mettre ce gars-là dans un arène? Moi, je trouve ça complètement ridicule. Le gars, là, il faisait des matchs de une minute avant. J'ai jamais compris le hype autour de Goldberg. C'est mon opinion, puis je vous la partage. Il est fini. C'est le temps qu'il accroche les bottes avant qu'il arrive un accident. Ouais, il y en a beaucoup qui vont partager ça. Malgré que ça... Moi, personnellement, je trouvais qu'il était bon là, dans le Monday Night War là, en 98. Là, c'est pas peu. Il y a eu sa fameuse streak de 167 matchs. Ouais, ouais. Ça, c'était pas si peu, mais après ça, une fois qu'il a perdu, c'était moins bon. Là. C'est ça. Il n'y a jamais eu là, l'exposure qu'il y avait, avait. Exactement. Et puis, l'événement de SummerSlam 2021 s'est terminé avec le champion Roman Reigns qui avait un combat face à John Cena. Et puis, Roman Reigns a battu John Cena. Moi, j'avais trouvé que c'était un bon main event. Sinon, il était pas trop rouillé. Ça faisait quoi, un an, quasiment 15 mois qu'il avait pas lutté. C'était quand même un bon combat. Oh, il a fait son possible. Et ben, puis, c'était bon. Nous, on avait mis un 8 sur 10. Moi, c'est j'ai mis 8 sur 10. Ouais, 8, 7, 8. C'était bon. C'était excellent. Et puis, on a vu un bon pop de Brock Lesnar qui est arrivé à la fin avec un nouveau look. Finalement, ça a été la soirée des surprises. Ouais. Il n'y avait pas le choix. Honnêtement, avec la AEW qui base beaucoup de courant de ce temps-ci. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils fassent des flamèches. Puis, ils sont dépassés. La WWE sont dépassés. Puis, tu sais, là, il n'y avait pas le choix de réembaucher Brock Lesnar parce qu'il y avait déjà eu dans le temps. On avait parlé dans des podcasts là, qu'il y a un éventuel retour de Brock Lesnar. Mais à la AEW, il y avait eu des rumeurs là-dessus. Là. C'est ça. Donc, il n'y avait comme pas le choix de mettre le paquet. Ils ont dû payer un gros montant. Là, exactement. Un genre de 10 millions. Là. Ah, je ne sais pas combien. Ah, ça doit être assez malade.
nous allons enchaîner maintenant une nouvelle assez triste. Ben, c'est pas un mort, mais en tout cas, ça s'en vient. Pauvre gars. Pauvre basse. Ouais. C'est sûr qu'il reste pas 100 ans à vivre. Là. C'est l'ancien Nasty Boys, vous savez, ceux-là qui ont été Tag Team of the Year en 94, Brian Knobbs, et non Jerry Sags, là, Brian Knobbs, le gros blond qui donnait des coups de sous de bras. Eh bien, figurez-vous qu'il est bien malade, puis c'est quoi le found quelque chose? Terry Fund? Non, il y a le mot Fund dedans. Ouais, c'est GoFundMe. GoFundMe. En fait, c'est ça. Ils ont fait un. Ils essaient de ramasser des fonds afin qu'ils soient plus malades. Fait que c'est ça. Alors, une autre mauvaise nouvelle, là, c'est vraiment un mort. C'est la légende de Dominic DeNucci qui est décédé le 12 août dernier à Freedom, Pennsylvania, âgé de 89 ans. Il a été dans le temps l'ancêtre la WWF. Là. Ouais, ouais. Il est en équipe avec San Martino, c'est ça qu'il y a? Yes, c'est ça. Puis il y a eu des partenaires, là, Dino Bravo, Tatanka, Mr. Fuji, tout ce monde-là, là, Pat Patterson. Là, il jouait là-dedans, là, dans la vieille école, comme on dit. Il a entraîné Mick Foley, je pense, hein, ça se peut-tu? Oui, ça se peut. Shane Douglas, hein? The franchise. Oui, exactement. En parlant de mort aussi, il y a aussi la belle Daphné qui s'est suicidée récemment. C'est très dommage. Bon, en tout cas, ça laisse croire qu'elle s'est suicidée. Oui, c'est ça, puisque un petit peu avant son décès, son annonce de décès, il semblerait qu'elle aurait publié une vidéo concernant un peu, genre une vidéo qu'elle allait se suicider. C'est ça que tu m'as parlé. Sur Twitter, sur YouTube, je me souviens pas, réseaux sociaux, whatever. C'est assez ordinaire, mais c'est assez triste quand vient le temps d'un suicide. Bref, passons à autre chose, ça m'émue beaucoup. Et puis... Awesome Kong, de son vrai nom, Kia Steven, oui. Qui avait quitté la AEW lorsque son contrat a expiré le 1er juin dernier, en 2021, n'ayant pas concouru depuis 18 mois. Depuis, elle n'a pas été active et lors du pay-per-view féminin, entièrement féminin, NWA Empower, du 28 août dernier, elle faisait son retour sur le ring et a annoncé par la suite qu'elle se retirait de la compétition. En parlant de la NWA, ouais. Tu sais que hebdomadairement, il y a des événements de la NWA qui se passent à la télévision. Oui, ça, on en avait parlé. Un petit peu moins médiatisé, mais il y en a un petit peu. Et puis, Ric Flair aurait fait son apparition récemment lors d'un événement. Donc, c'est bien du moins, cool. Il a été champion du monde. Exactement. Avec Harley Race, avec Dusty Rhodes. C'est ça. Parlons un petit peu, puisqu'on parle un petit peu du monde de l'indie, l'ancien catcheur de la ECW et de la WWE, Tajiri, fera ses débuts durant l'événement Fightland de la MLW, la Major League Wrestling, le 2 octobre prochain. Eux autres, tu commences à monter les échelons. Hein? Oui, ouais, vraiment. Ça bouge beaucoup, comme on dit dans notre jargon. Passons maintenant à AEW. Et comment t'as trouvé lors de Rampage l'arrivée de CM Punk? Ah, c'est le comeback of the year. Ouais, moi aussi, honnêtement, je pense que c'est le comeback of the year, puis même que je pense que c'est le comeback of the decade. Puis moi, tu vas peut-être être d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que CM Punk, là, ça peut être le Hogan de la AEW. Peut-être. Ben, moi, j'ai cette opinion-là. On verra bien ce qui va se passer lors de All Out. Il sera pas bien en jaune et en rouge, c'est pas ça que je dis, mais en frais de popularité. Non, c'est ça. Puis il y a beaucoup de rumeurs pour All Out aussi. All Out, il semblerait que la belle Lana aurait fini aussi son contrat de 90 jours. Non-compétition de 90 jours. Fait que peut-être qu'on pourrait peut-être la voir ce soir. Et puis, il y a aussi des rumeurs qui disent que peut-être Jerry The King Lawler serait présent lors de l'événement de ce soir. Ruby Riott, je pense qu'il y avait des rumeurs. Ruby Riott aussi. Il y a aussi Daniel Bryan, qu'on parle pas beaucoup ces temps-ci, mais qui semblerait que, d'après moi, là, on va le voir ce soir. J'ai bien, bien hâte à l'événement, honnêtement. Ben, ça peut être AEW, puis ça peut être Impact. Ils font comme à se partager ouais, ça des fois. Mais moi, je pense qu'il va arriver à All Out ce soir. Oh, et ça, j'aimerais bien ça. Moi, ce que je prédis, c'est qu'il va venir faire perdre Punk dans son match contre Darby Allin. Et moi, c'était Chicago à soir. Moi, je pense qu'il est trop important à Chicago, ce gars-là. Ben, sa ville natale, il est bien trop important. Si tu veux avoir un bon heel, Daniel Bryan est capable de livrer un marchandise. Ah, c'est sûr, il y a ça, mais... Il va se faire lancer les tomates, Daniel Bryan, puis ça serait une mauvaise chose. Ça serait une voie de mise à prix, coup parti. Exactement. Aussi, vous saviez aussi que lors de All Out ce soir, il y a un match de cancellé. Il était supposé avoir un match à Dynamite le 11 août dernier.
Ils ont annoncé qu'il allait avoir un match entre Andrade, El Idolo et Pac. Oui. Mais malheureusement, le 1er septembre, on a appris que le match était cancellé parce que Pac aurait eu des problèmes durant le voyagement, dans le fond, dans le monde. Oui, et puis... peut-être blessé aussi, là. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le combat royal féminin et ils l'ont mis sur la programmation... Au lieu de le mettre à jour. Au lieu de le mettre à Dynamite. Ou à Rampage. Le mettre au Dark Match, là, tu sais. Ou au teaser, l'espèce de takeover de la AEW. Alors, enchaînons maintenant avec ce que les gens veulent entendre, nos pronostics pour l'événement de All Out qui sera ce soir dès 20h sur Fight, sur un paquet d'autres émissions de télé, de câble aux distributeurs. Sur Bally Rose. Oui, exactement. Le fameux site pirate Bally Rose, mesdames et messieurs. Alors, lors du pré-show, il y aura Best Friends, Orange Cassidy, Chuck Taylor et Wheeler Yuta avec Jurassic Express, Jungle Boy et Luchasaurus avec Marco Stone. C'est un 10-man tag team match. Il affrontera le Hardy Family Office, Matt Hardy Private Party, Isaiah Cassidy et Mark Quinn and the Hybrid 2, Angelico et Jack Evans. Ouais, ça va être Jurassic Express qui vont emporter ça, à mon avis, là. Je pense pas que ça soit moi je pense que oui. De ce temps-ci de Jack Evans, ils font déjà bouille. Je sais pas si tu l'as vu récemment à Dynamite. Ouais, ils font plus rien avec. Pourtant, c'est un gars qui est full-out. Yes. Ensuite de ça, dans le fond, je sais pas s'ils vont ouvrir. Là, on envoie les ils sont peut-être pas dans le bon ordre. Mais c'est ça, ils sont peut-être pas dans le bon ordre. Là, on le sait pas encore l'ordre de l'événement. On a parlé juste avant du... La Battle Royale de 21... Le Women Casino Battle Royale pour le titre de la AEW. Donc, les participants sont... Pour avoir une chance au titre, pardon. Le number one contender. Ah, OK, c'est le number one contender, OK. Il va avoir Nyla Rose, Thunder Rosa de Bonnie, Big Swole, Julia Hart est plus là, je pense. Ouais, ça a l'air qu'elle a été remplacée. Probablement par Ruby Riott. Moi, c'est mon opinion, là. Ruby Riott ou ben Lana. Ouais, mais là... Ou peut-être une fille out of nowhere qu'on va faire comme « Eh, OK. » Lufisto serait bon. Ça serait hot, hein? Ouais, j'aimerais ça. Yes. T-Con Thieves, Diamante, Penelope Ford, Red Velvet, Hikaru Shida, Emi Sakura, Jade Cargill, Kira Hogan, Abandon, Layla Hirsch, Killin King, Rebel, Jimmy Hayter, Hannah J, Ryo, Sky Blue versus One Woman to be Determined. Moi, j'aime beaucoup Abaddon. Abaddon. Abobo dans Double Dragon aussi. Hey, elle fait peur, là. Mais moi, j'ai un parti pris pour Thunder Rosa. Et moi donc. Ouais, j'aime beaucoup sa personnalité, j'aime beaucoup son charisme, j'aime beaucoup son... ça ferait une belle fiode avec la dentiste. Je pense que ça pourrait être un très bon combat contre Britt Baker. Britt Baker, ouais, la dentiste. DMD. Exactement. Ensuite de ça, il y aurait un match simple mettant oppose John Moxley face au lutteur de la New Japan Pro Wrestling, Satoshi Kojima. Ce qui risque d'être un excellent combat. Ça risque d'être assez stiff. Ouais, mais un concours de choc, je pense. Ouais, ça va être excellent. Par la suite, nous aurons notre gros homme, notre gros spectacle, Paul White. Contre QT Marshall, qui sera accompagné d'Aaron Solo et de Nick Komoroto. Ah, le gros Paul White va gagner. Tu penses? Il va faire un chokeslam. Ça sera pas long, ce combat-là. À mon avis, là, 3 minutes, time chrono, c'est terminé, 1, 2, 3. On passe en arrière, on va boire une bière. Un autre match, par exemple, qui promet, c'est Chris Jericho contre MJF, un single match. Puis si Jericho perd, il se retire de la compétition. Mais moi, d'après moi, Jericho est en... Il est encore capable de lutter encore une coupe d'année. Comment tu as trouvé l'histoire autour de Chris Jericho et MJF? Ils ont fait tirer ça. Ouais, les 12 épreuves d'Hercule un peu. Ouais, ça s'est bien fait quand même. Ouais, c'est bien monté. Ça a commencé avec le premier chapitre qui était avec Sean Spears. Ouais, c'est ça, Sean Spears. C'est ça. Et ensuite de ça, ça s'est poursuivi dans un match extrême, hardcore, violent, avec Nick Gage. T'avais-tu quelque chose à nous dire à propos de Nick Gage? Ben Nick Gage, là, je pose la question, c'est pas pour caler personne, mais si vous avez vu Dark Side of the Ring, là, sa blonde, c'est une junkie? Je sais pas. Chris, ça a l'air d'un oignon, tabarnak.
Malade. Et puis, ça s'est poursuivi avec... ils ont déterré Juventud Guerrera qui est venu nous faire des moonsaults. Ça, Takamu, c'était le meilleur match de la gang. Yes. Et puis, ça s'est poursuivi avec... avec Wardlow et non Sonny Wardlow. C'est ça. Et puis, maintenant, ben, on va avoir lieu un beau combat. Ouais, mais il avait perdu contre MJF dans la cinquième partie. C'est ça, je pense. C'est ça, hein? Là, il y a comme un rematch à soir à Hall Out. C'est ça, exactement. Et Jericho met comme sa carrière de catcheur en jeu. C'est ça, en jeu. Et puis, ensuite, il va avoir Miro, passe son temps à l'extérieur du ring. Ouais, oh, il faut pas chronométrer ça, mon pire. Eddie Kingston. Pour le championnat TNT. Moi, là, les gens qui, sur Internet, disent que ça va être un squash, que Miro va faire un squash sur Eddie Kingston. Va faire jobber Kingston, okay. Je suis désolé, amateur de lutte, là, mais je pense que vous connaissez pas Eddie Kingston. Okay? Eddie Kingston, c'est une des cinq personnes les plus violentes dans le monde de la lutte professionnelle. Ouais, disons que donc, il est en équipe avec Moxley, vraiment pas sa place. Là. Un petit peu loin derrière Aku, là, on s'entend, là, Aku, c'est une classe à part. Là. Ouais, il va t'arracher mais un Eddie Kingston, là, c'est pas son premier barbecue. Fait que je pense que ça va brosser sur un méchant temps lors du Migros. Eddie Kingston, Lanoun, sur le bord du ring. Ouais, je sais pas si ça va revenir à soir, en tout cas, il y a des rumeurs, là. C'est ça. Mais lui, il va passer son temps à l'extérieur du ring. Ah, au moins, c'est un match de 10 minutes, au moins 4-5 minutes. C'est ça. Ça suivra probablement du combat que j'attends le plus depuis longtemps. C'est le combat de cage, mesdames et messieurs, entre les Lucha Brothers, Penta El Zero Miedo et Rey Fénix. Oui. Qui vont affronter les champions par équipe, Matt Jackson et Nick Jackson. Ça va être les jeunes chevreuils. Les jeunes chevreuils. Je souhaite de tout mon cœur que les Young Bucks perdent la ceinture. Ah, tout le monde espère ça. Du bien. Tout le monde espère ça. Je souhaite de tout mon cœur qu'ils perdent la ceinture. Je souhaite de tout mon cœur qu'ils perdent la ceinture. Allons-y avec un autre combat. Pour le Women's Championship de la AEW. Qui va être Dr. Britt Baker, DMD. Avec Rebel. Avec Rebel. Contre Chris Statlander. Et pas Chris Candido. Non. Chris Statlander. Ouais, c'était Statlander, ouais, c'est ça. Statlander. Ben, d'après moi, Britt Baker, elle va garder sa strap, là, ça, c'est sûr. Oui, parce que d'après moi, elle va aller rejoindre Thunder Rosa ou la lutteuse non déterminée du Battle Royale qu'on sait pas. Ah, peut-être. Il y a peut-être que c'est... Ça va-tu se faire à Dynamite? Ça va-tu c'est peut-être Mickey James? Ah, c'est peut-être Lufisto? C'est peut-être Virgil? Ben là, c'est Virgil. Peut-être Marty Jannetty? Ah, on le sait pas. Alors, passons ensuite au combat que tous les gens veulent voir ce soir. Probablement le match of the year, mesdames et messieurs, entre CM Punk et... Darby Allin. Il n'est pas accompagné de Sting, mais ça ne s'est même pas marqué. Non, Sting a annoncé ah, il est banni du qu'il, par respect, viendrait porter son ami mais sur le bord de l'arène puis il retournerait backstage pour vraiment que ça fasse un combat loyal, pas de tricherie, pas de rien. J'imagine que Sting va quand même garder un œil sur son ami Darby, mais comme j'ai dit, je prédis qu'il va se passer quelque chose d'inattendu lors de l'événement. Est-ce que c'est Daniel Bryan? Est-ce que c'est Undertaker? Braun Strowman, Bashing Booger? Dieu le sait, mais le job sans doute. Il va-t-il y avoir un turn soit de Sting, soit de CM Punk, soit de Darby Allin? Ah, tout Pueno va bien interférer. J'espère qu'il y en a... Je sais pas. J'espère qu'il y en a non, là. Ça viendrait scraper la heat. Je sais pas trop, mais ça risque de brasser. Ça risque d'être un des meilleures cartes de la AEW depuis un méchant bout. Une hypothèse. Selon moi, nous, en tout cas, on en a parlé souvent ensemble, mais je pense que tu vas être d'accord avec moi. Je pense que la carte promet énormément et je crois que ça va être le pay-per-view of the year cette année. Ah, c'est je sûr. Pense. Ben, en tout cas, c'est du moins du côté de la AEW. L'événement de l'année. J'espère juste que CM Punk contre Darby Allin, là, si Tupuano y intervient, j'espère juste que ça ne virera pas en tag team. Comme ça s'est déjà fait à ECW à l'époque. Moi, j'aurais peut-être peur que Tupuano blesse Darby Allin et que le combat n'ait pas lieu. Ça serait chiant, maudit. Et là, il amène Daniel Bryan contre CM Punk à Chicago. Ça pourrait être pas pire. Ça serait chiant pour Darby Allin, mais ça donnerait un pop à Daniel ça Bryan. Un mess.
hostie de combat de fou, là. Puis nous sommes rendus maintenant au main event pour le championnat AEW. Kenny Omega, le champion AEW, qui affrontera Christian Cage, le challenger, qui l'a vaincu à Rampage il y a 2-3 semaines. Oui, d'ailleurs, ce combat-là, pour moi, c'était un 11 sur 10. Ah, c'est très bon. Oh, c'est très bon. Ce combat-là, on a. J'ai mis 9. Là, j'ai tourné ma langue 20 fois. Ce que je veux dire, en réalité, c'est que lors de nos derniers podcasts, on avait un peu dénigré Christian Cage en se disant il est fini, qu'est-ce qu'il fait là, blablabla. Bref, il nous a surpris. Il a montré qu'il avait encore de la bonne lutte. Exactement, exactement. Puis ça a fait un excellent combat. T'en as pensé quoi de ce combat-là, toi? Toi, tu parles de Rampage, là? Oui, je parle de Kenny Omega contre Christian Cage. Ah ouais, Rampage, ouais, c'était excellent. Moi, j'ai mis un 9 sur 10. Yes. Toi, t'as été plus généreux, mais. Yes. Ouais, le genre de. Voyons, son finish, style, le Hunt Prayer, mais il dit plus ça, là, le skill switch. Là. Ouais, ouais, c'était ouais. Ça, il a fait ça sa chaise, là, c'était très bien. C'est très bien. Hein? Ouais, ouais, et la phase de Omega a bien été étampée dans la chaise. Vous pouvez regarder ça sur replay, sur YouTube, et vous allez voir que c'est savoureux. Va-t-elle être aussi bien étampée ce soir? Nous l'ignorons. Alors, c'est ainsi que se termine l'émission 9 du WrestleRock Podcast. Mon nom est Jonathan Drapeau. J'étais en compagnie de mon ami, mon éminent collègue, Benoît Laferrière. Merci, mon Ben. Merci, Joe. Et on se retrouve pour un éventuel WrestleRock Podcast. Alors, soyez des nôtres. L'action ne manquera pas. Au revoir. I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy. A spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. Again. How you doing? I live my life. Woo! N-W-O. The Rock says, sweet baby Jesus in the office.